heureuse. J'ai l'impression qu'ils vont dire ce que c'est d'être jeune. Tu m'étonnes, mes parents sont pareils. Quand je leur parle de mes problèmes de cœur, ils me répondent par « Oh, tu finiras par trouver quelqu'un d'autre », comme si c'était simple. C'est clair, ils ont tous les deux rencontré leur conjoint au lycée, alors forcément, ils ne veulent pas comprendre les rencontres en ligne et les relations à distance. Ils ne comprennent pas nos sentiments, ils pensent que nous sommes là juste pour nous amuser, alors que pour nous, c'est bien plus que ça. Oui, mes parents me disent toujours que je suis trop jeune pour aimer quelqu'un. Mais ils ne comprennent pas que je suis sérieux. Et puis, tu as remarqué qu'ils ont oublié à quoi ça ressemble d'avoir des émotions intenses. Quand je pleure devant un film, ma mère me regarde comme si j'étais folle. Et quand on se dispute avec eux, ils ne veulent même pas admettre qu'ils ont tort. Ils pensent juste que c'est l'adolescence ou elle. Ah, la fameuse crise d'adolescence. Ils ne comprennent pas que c'est juste notre seul moyen de nous exprimer. Mais tu sais quoi? Et si on crée une pièce de théâtre sur nos parents qui ne comprennent rien à notre vie? Oui, ce serait génial. On pourrait leur montrer à quoi. On pourrait leur montrer à quel point ils ont oublié ce que ça fait d'être jeune et amoureux. Et peut-être même qu'ils pourraient apprendre quelque chose sur notre point de vue.